Et bonjour à tous, on se retrouve pour un 39e épisode de cette 5e saison de Station Ears sur Vulcain, alors qu'on gambade joyeusement dans nos plantes vertes, qui produisent bien de l'oxygène, et salut Foxy, et que j'ai pas mis le chat au bon endroit. Voilà, c'est mieux. L'oxygène qui monte gentiment, ça monte en pression. kilopascal déjà. Cent d'oxygène. Et 4 moles d'azote. Tiens, dis donc, j'avais dû récupérer de l'azote. Alors, nouveauté aujourd'hui, on est sur la version... La version normale, on n'est plus en bêta, on est en stable avec la mise à jour qui est sortie. Il fait nuit, c'est cool. Ah oui, j'ai un bug visuel ici, il faudra que je repire ma suite et que je la remette. Alors, côté bug que j'avais eu sur l'Atmo, on m'a dit sur le Discord officiel que oui, ce serait normal parce que tu n'as rien fait sur tes gaz. Bon, c'était pas normal. Là, c'est bizarre, j'ai plus le bug. Si c'était pas à 25 degrés. Bon, le reste est équilibré, ça entre eux, il n'y a pas de problème. T'as qu'à poster ça dans général si tu veux. Et bon, ça c'est équilibré, mais en tout cas ici, maintenant... Ah, bah non. On a de nouveau moins 27. Donc il y a toujours un truc curieux qui se passe. Mais bon. Et c'est avec l'azote qui est à 26 degrés, quoi. J'enlève l'azote. Ça part en vrille. C'est toujours bizarre. Bon, aujourd'hui il faut qu'on s'occupe de notre atelier, parce qu'on a juste fait un début d'atelier pour pouvoir fabriquer 2-3 trucs et on s'en est pas occupé depuis. Donc la première chose dont je vais avoir besoin, c'est un IC, un housing pour lui. Ça, je préfère le reste des IC des housing. Mais oui, bien sûr. Oui. Housing. IC. IC, t'auras pas assez d'or. Donc. On va te recoller un petit peu d'or. Et derrière, ça va monter. Alors autre chose, j'ai pas envie finalement de mettre mes puces au plafond. Donc je me disais que j'allais certainement... me mettre au niveau du sol
et me bloquer là. Prendre du coup les transfos, j'ai besoin des transfos. Ouais, aujourd'hui ça arrivait comme ça. Et en fait me mettre des murs ici, des volets ici, pour pouvoir gérer de part et d'autre. Donc potentiellement avoir le transfo peut-être quelque part par là. On va voir. Je vais même avancer peut-être. Ou alors le transfo quand même au plafond et que ça descende sur les murs. Ça sera peut-être plus logique. Alors, si je me mettais au bon endroit, ça aiderait. Donc, à voir. Le transfo ici, ça serait logique. Je pense. Ça, ça me paraît logique. Et toi, ici. Ouais, comme ça serait pas mal. Du coup, ça me permettrait, si je prends des portes, j'ai rangé, j'en ai plus que deux, faudra que j'en refasse. Mais composite roller cover. Pour l'instant, un seul, ça devrait suffire. Au passage, on va se libérer d'un poids. Voilà. Il va falloir raccorder ça. Il va falloir modifier la façon dont ça remonte aussi. Donc, ça comme ça. Et salut le plongeur. Non, j'ai pas tout recommencé. Toi, tu vas descendre à ce niveau-là. Toi, tu descendras à ce niveau-là. Il faut qu'il crée un nouveau fil. Franchement, oui, peut-être, je sais pas. Honnêtement. Honnêtement, je suis pas sûr que ça ait une très grosse importance. Et en réfléchissant au fait que ça descend là, peut-être que ça serait aussi bien d'avoir le... Ça serait aussi bien de l'avoir ici. Et toi, je t'ai pas mis au bon endroit.
Ça donnerait quelque chose comme ça plutôt. Oui, du coup, faut que je te soude. Forcément, sinon t'es pas content. Donc... faut que je t'enlève. Pour pouvoir remettre... le câblage. Donc, toi. Maintenant, tu peux venir. Par là. De ce côté-là aussi, il va falloir refaire passer le câblage avant toute chose. Du coup, toi, j'ai plus besoin. Toi, j'ai plus besoin. Toi, tu arrives là. Tu pourrais légitimement monter ici. Je pense qu'on va sauver. On va récupérer quelques câbles par là. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Parce que du coup, là, je vais pouvoir faire descendre. Je vais pouvoir faire descendre une ligne de général qui me permettra... permettra d'avoir accès comme ça dans le volet roulant. Ça, comme si... ça, comme ça. Ok, ce sera pas mal quand on aura ça. Toi, c'est bon. Du coup... toi, par là. Comme ça. Non. Quelque chose comme ça.
Et salut Totor, bienvenue à toi. Ok, du coup. Du coup, est-ce que j'avais mon code quelque part? Je pense que je l'ai pas sauvegardé à l'avance. Je vais vérifier. Je vais vérifier tout de suite. Si je l'ai sauvegardé, je l'ai dans le coin. Si. Si, 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 je l'ai dans le coin. Je l'ai dans le coin, donc je devrais pouvoir... Ah! Export. Et une fois que je t'aurai alimenté, tu devrais pouvoir fonctionner. Et mais merci pour l'abo, Totor. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Voilà. Ah! Oui, print. Print, print. Printers, stacker. Tout va bien. Au passage. Au passage, ça. Toi, tu as réglé à 150, ça fait beaucoup. On va te mettre à 5. Et on va faire des housings, même que 4. Ça fait beaucoup, mais ça ira. Eh bien, merci beaucoup, Totor. Et salut XK. Je vais faire un contrôle énorme, Sabdam 2022, révision mi-mars. mi-mars. La blague est valide. Du coup, toi, tu es prêt. Ouais, il va falloir que je te... jusqu'en bas, que je te décape d'ici. Par là, je t'avais même pas câblé, donc. Ah. Tourne encore. Je suis correctement câblé. Est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Non. Ça.
J'imagine que toi tu as fini. Oui, toi tu as fini. Tu vas me faire les IC. Tu vas me faire les IC et quoi ? Je fais une porte. Un composite roll cover. Pas qu'il y ait une tempête là maintenant avec les IC qui sortent. Ok. Dernier, oui. Allez, tu vas être presque fini. Ah oui, ça fait un moment que j'y pense, Totor, un tuto sur les comment je fais mes modifs. Alors sur le stack, avant, il n'y avait pas besoin, ça c'est tout frais, donc puis peut-être que le mode... Le support des modes reviendra peut-être rapidement, donc je sais pas trop si c'est... Ah ! C'est à l'envers. Si c'est le plus intéressant, mais sur comment modifier les quantités de minerais. Comme je le fais. Oui, ça effectivement. Toi. Bah toi. Donc, Autolate, Stacker, et voilà. Ce qui veut dire que je vais pouvoir faire des portes, il m'en faut au moins 4. Il m'en faudra d'autres après, mais déjà 4 portes. Kit d'or. Les deux autres IC. Je vais faire tout de suite. Ouais, si on te le demande souvent. Au 500, je loue un serveur pour une journée. non, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire au 500, et honnêtement. Alors, j'avais pensé éventuellement mettre un serveur à dispo pour X temps, mais pas en location, c'est trop cher en location. Ce sera un serveur à la ramasse, comme celui de la coop.
Ok pour vous. Ouais, j'ai rien raccordé, c'est normal que tu... Non mais... ça. Pas comme ça. Il m'en reste un. Parce que j'en ai refait 4 au lieu d'en refaire 3. Ce qui est idiot. Donc, qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait à se remettre ça. Passage, ouais. Tout fermé. Et on va se câbler ces deux-là. Oui. Donc on va déjà reprendre. Tournevis. Pour se remettre dans le bon sens. Tac. Il doit être ici. Il doit être là. Je fais pas les nouveaux jeux en fonction du nombre d'abos, ça c'est sûr et certain. Je fais les nouveaux jeux en fonction de là où j'en suis. Non. Sinon, ce serait plus facile aussi par là. Ok. Donc là, Dolik Pipebender, Stacker. Cool, Stacker. Câblage. Ça pourrait être pratique. Une FAQ des 500. Ouais, je suis pas persuadé. Donc ça c'est fait. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve dès demain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!